Oui, allô, Jenny. Tu vas bien? C'est à moi de te demander si tout va bien. Il est 2 heures, Lucie. Moi, je vais bien. J'étais profondément endormie. Excuse-moi pour t'avoir réveillée. Mais il fallait que je m'assure que tu vas bien. Il y a quoi, Lucie? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Juste un cauchemar. Je te laisse. Tu as maté cette fille de la sorte. Je ne l'ai pas maté, chérie. Si tu l'as maté, je te viens, arrête de mentir. Ok, ok. Je l'ai regardée, mais pas maté. Pourquoi la regardes-tu? Chérie, c'est pas parce qu'on n'a pas faim qu'on n'a pas le droit de consulter le menu. Je te l'interdis. À vos ordres, madame. Ça va, bien, bien. Bébé. Oui. Promets-moi une chose. Quoi? Promets-moi de ne jamais me quitter. Je te le promets, chérie. Et de ne jamais me tromper. Ça aussi, je te le promets. N'en doute jamais. Je t'aime, chérie. Moi aussi. On recommence? On recommence. Mademoiselle? Avez-vous besoin de quelque chose? Non, j'ai juste besoin d'un renseignement. Lequel, madame? Dis, comment tu t'appelles? Lucie, madame. Lucie? Oui. Lucie? Oh, mais quel joli prénom! Merci. Écoute, Lucie, j'aimerais que tu sois mon amie. Vous manquez d'amis, madame? Non! C'est juste que tu me plais beaucoup. Et puis j'aimerais que tu sois mon amie. Surtout, arrête de m'appeler madame. Appelle-moi Megan. Non, madame. Il nous est strictement interdit d'appeler les clients par leur nom. Mais je ne suis plus qu'une cliente ici. Et tu es mon amie, ou bien? Je suis désolée, madame. Ok. Je te donne ma carte de visite et j'aimerais que tu me téléphones parce que j'ai un sujet très intéressant à ton endroit. D'accord, madame. D'accord. Je vais vous appeler. Promis? T'es sûre? Au téléphone, hein? Bye! Bye, madame. Thank you.
Bonjour, madame. Oui, bonjour. À qui ai-je honneur, s'il vous plaît? Lucie, la fille de l'Institut de beauté à qui vous avez remis votre carte hier. Ah oui, Lucie. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Mais Lucie, je t'ai dit de ne plus m'appeler madame. En plus, nous ne sommes plus à ton lieu de service. Ah, je m'excuse. Mégane. C'est pas bien grave. Alors, on se voit quand? Ah, ça dépend de toi. Je finis le travail tous les jours à 22h et mon jour de repos, c'est le lundi. Lundi, c'est après-demain, n'est-ce pas? Oui. Ça marche. Je préfère lundi, ton jour de repos. Comme ça, on aura tout le temps de bien causer. Ok. On se dit à lundi, alors. À lundi, ma chérie. C'est moi qui t'appelle, ok? Passe une bonne journée. Merci. À toi également. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Oh, moi ça va. Tu sais, tu me plais beaucoup. Ah bon? Merci. Je vais aller droit au but. Es-tu libre? Libre? C'est-à-dire? Je comprends pas. Je veux dire, es-tu mariée, fiancée? Non, pas encore. Mais j'ai un petit ami. Écoute, Lucie. Je voudrais que tu sois ma femme. Pardon? Mais ça ne va pas, madame. Merde. Non, 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 attends. Tu n'as pas compris mon expression. Je voulais dire la femme de mon frère. C'est chez nous, la femme de ton frère, c'est ta femme. Allez, viens, reviens t'asseoir, s'il te plaît. Allez. La femme de ton frère? Mais pourquoi moi? Tu sais, je t'observe depuis que je viens dans ton lieu de service. Ton comportement me plaît. Et je pense que tu ferais une bonne épouse pour mon frère. Ton frère et moi, on ne se connaît pas. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on va s'apprécier? Lucie, je suis sa sœur jumelle. Je le connais mieux que quiconque. Si tu veux, je lui en parle. Et après, je te file son contact. Il est où ton frère? Il vit à l'étranger, ma chérie. Ok, d'accord. Je vais réfléchir et je vais te donner ma réponse. Écoute, prends tout ton temps. Hein? Sois pas pressé. D'accord? Ah, tu es tellement chou. Toi aussi, tu es gentil. Ma copine, j'ai un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait la connaissance d'une dame et... Bonsoir chérie. Bonsoir mon bébé. Comment tu vas? Tu es là, tu m'excuses, je ne t'avais pas vu. Bonsoir mon beau, est-ce que tu pouvais me voir?
puisque toute ton attention était figée sur ton petit cœur. Ok. Il faut que je vous laisse les amoureux. Je ne suis pas venue te chasser, Jenny. Ce n'est pas parce qu'elle est là que tu t'en vas, j'espère. Non, j'étais sur le point de m'en aller. Ouais, quand t'as donné envie d'aller trouver ton gars. Si au moins mon gars pouvait apprendre comment on s'occupe d'une femme comme Serge. Tout ce qui compte pour lui, c'est le boulot. Maman, laisse-moi rentrer chez moi. Je ne vais pas t'accompagner. Oh, t'inquiète, t'as pas besoin de me dire. Est-ce que tu peux encore bouger quand ton petit carré est là? Passez une bonne soirée, les amoureux. Bye bye, Denis. Oh, je vais commencer à sortir tard. Ok. Comment était ta journée, chérie? Fatigante. C'était ton jour de repos aujourd'hui, non? Oui, oui. Mais j'avais quelques courses à faire. Tu n'as pas fait à manger, bébé? Non, non. Je n'avais plus d'argent et mon salaire n'est pas passé comme prévu. C'est pour cela que tu es dans cet état? Je ne te sens pas aujourd'hui. Un jour, cette situation ne sera plus qu'un souvenir. Je te le promets. Je ferai le maximum pour te mettre à l'aise. Je pense que tu ferais une bonne épouse pour mon frère. Il est où ton frère? Il vit à l'étranger, ma chérie. Mmh. Qu'est-ce que tu as? Rien. Rien du tout. Ok, ça va bien. Ça va. Lucie, téléphone. Allô? Votre sœur? Oui, Megan. Ah, je vois, je vois. Vous êtes le frère de Megan? Oui, c'est ma sœur jumelle. Elle me l'a dit. Comment vas-tu? Je vais bien, et vous? Ça va, j'étais un peu bousculé. C'est normal. La vie appartient à ceux qui bossent dur. Passez une bonne journée. Ah, j'en peux plus. Ouh. C'est bon pour aujourd'hui. Déjà? Ouais. Oh. Faible. Oui, j'accepte. Ouh. Ma copine, je te laisse. Jenny, j'ai un problème qui me tracasse. Il y a quoi? Un monsieur résident à l'étranger m'a demandé un mariage. Un benguiste? Tu as fait sa connaissance comment? Par sa soeur, l'une de nos clientes. Tu es intéressée? Je ne sais pas trop, Jenny. Je suis confuse. Confuse pourquoi? Ne me dis pas que tu vas laisser cette chance passer en voler comme ça. Hein? Mais le problème, c'est Serge, Jenny. Comment je fais de lui? Il m'aime, moi aussi je l'aime. Mais puis quoi?
Regarde-toi. Tu as quel âge pour parler encore de petite amie? Est-ce qu'il t'a un jour demandé un mariage? Et même s'il avait fait, ma copine, les benguistes là, ça ne court pas les rues. Ça va, chérie? Ça va. Pourquoi tu fais cette tête? Sèche. Chérie? J'ai demandé qu'on se retrouve ici parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. C'est quoi le problème, ça? Voici déjà plus de 2 ans que nous sommes ensemble. Mais tu ne me dis rien. Je ne te dis rien comment, chérie. Pas de projet de mariage, rien. On vit comme ça. On ne sait pas où on va. Comment ça, chérie? Je voulais t'informer qu'un monsieur m'a demandé un mariage. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai accepté. Quoi? Non, chérie, ne me dis pas ça. Je ne peux pas le croire. Ne me dis pas ça, bébé. Donc, il faut qu'on arrête de sourire. Non. Non, pas ça. Je t'en prie, ne me quitte pas. Ce n'est pas que je ne pense pas au mariage. J'y pense constamment. Je voulais te surprendre un de ces quatre. Calme. Hein? Non. Pas ça. Pas ça, mon amour. Moi, je t'aime. Je t'aime sincèrement. Et lui, tu ne sais rien de son amour pour toi. Moi aussi, je t'aime. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, mon ami. Quelle surprise! Comment tu vas? Ma soeur, ça ne va pas. Qu'y a-t-il? C'est quoi le problème? C'est ta copine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit hier qu'il faut qu'on arrête de se voir. Parce que monsieur lui a demandé un mariage, Denis. Je suis venu te voir pour que tu parles avec elle. Je l'aime beaucoup. Elle est tout pour moi. S'il te plaît, convainc-la. Je suis prêt même à l'épouser si c'est le mariage qui pose problème, Denis. Je vais essayer, mais je ne te promets rien. Je t'en prie, essaye. Lucie n'est plus une gamine. Elle seule sait ce qui est bien pour elle. Mais Denis, c'est ta meilleure amie. Je compte sur toi pour la ramener à la raison. Je n'ai aucune envie de la perdre. S'il te plaît. Comme je te l'ai dit, je vais essayer. Mais rassure-toi, je vais faire de mon mieux. Je vais partir. Passe une bonne journée. Merci, Serge. Prends soin de toi. Thank you.
J'ai un petit conseil à te faire. Vas-y, ma puce, je t'écoute. Serge. Serge est venu à la maison l'autre jour, tout malheureux. Laisse-le là comme ça, Jenny. Il fallait le voir. Comment il m'a supplié de te convaincre qu'il va t'épouser. Jenny, c'est trop tard, c'est trop tard. Je vais chez le blanc. Comment tu vas? Ça va, très bien, moi, j'ai. Ça va, super. Merci. Jenny, ma copine. Jenny. Ça va? Merci. Je suis contente de te voir. Merci. Ça a été le voyage? Ça va. D'accord.
comment tu vas? Oh, je vais très bien, mais ça fait un bail. Laisse-moi comme ça, ma puce. Le boulot m'occupe tellement. Qu'est-ce que tu es toute belle que toi. Waouh, super. Ouais. D'ailleurs, ça tombe bien. Ma dot, c'est samedi sur prochain. Waouh! Oh mon Dieu, mais c'est merveilleux! Chérie? Je te présente mon fiancé. Chérie, elle, c'est ma copine, Mirabelle. Enchantée, madame. Moi, c'est Loïc. Mirabelle, c'est un plaisir. Merci. Oh mon Dieu, ma copine, tu as de la chance. Waouh. Bon, tu as dit que la date c'était quand? Samedi sur le prochain. Oh là là, je suis désolée ma puce. Ça tombe très mal, je ne serai pas dans la ville. S'il te plaît. Je suis vraiment désolée. J'aurais vraiment aimé être à ta date. Pas grave. Que tout se passe dans de très bonnes conditions et surtout dans la paix du Christ. Amen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Entre Loïc et notre chère fille Lucie. Il est bien vrai que je suis le représentant de la famille Wango. Il est aussi vrai qu'il est très difficile de se détacher de ce qu'on aime. Ma fille, nous t'aimons bien. Et au nom de toute la famille, je te dis de trouver bonheur auprès de ton époux et que vous soyez unis à jamais. Cette boisson est un mélange de bière et de jus. Quelqu'un de vous peut-il les dissocier? Non, pas possible. Alors, bois. Et fais aussi avoir à ton mari. Je peux bien boire aussi de cette boisson. Asseyez-vous.
soirée. Amusez-vous bien. La piste est libre. Tu pas le matin? Non, je peux pas. S'il te plaît, Jimmy. Reste avec nous. Je suis désolée, je peux pas. J'ai affaire le matin. Il faut que je rentre à la place. S'il te plaît, tu l'as déposé. Bien sûr, je... Merci pour tout ce que tu fais pour moi. De rien. Tu es tellement. Donne-moi une minute, ma copine, je finis avec les clients. Je vous Merci, moi, ma copine, je suis à toi. Comment tu vas? Jenny, je passe des moments très difficiles. Il y a encore quoi? C'est quoi le problème? Explique-moi. Ça fait déjà 2 mois que Loïc est rentré. J'ai pas de ses nouvelles. Son téléphone ne passe pas, même au mail, il ne répond pas. C'est vrai ça. Comme je t'ai dit là, Jenny, même sa soeur chez qui je pouvais aller me renseigner a voyagé pour les États-Unis 1 semaine après le départ de son frère. Oh, Lucie, faut pas t'affoler. Il faut attendre. Peut-être qu'il est occupé par son boulot. Occupé? Jusqu'à 2 mois? Non, mais je suis trop inquiète. Avant qu'il ne vienne au pays, il m'appelait tous les jours. J'espère que Loïc n'est pas le genre de mbenguiste qui vient ici au pays doter les filles d'autrui pour les abandonner après, hein? Maman, et si c'est le cas, comment je vais faire? En plus, j'attends un enfant de lui. Ah.
Ah bon? Comme tu entends là. Il sait? Non. Puisque je ne parviens pas à le joindre, comment il le saura? Lucie, tu ne penses pas que le mieux serait d'évacuer cette grossesse? Comment ça? Non! N'oublie pas que nous sommes fiancés, Jenny, et je suis très amoureuse de lui. Et lui, est-ce qu'il est amoureux de toi? Mais bien sûr! En fait, je crois. Après la cérémonie de la dot, il a programmé l'officialisation de notre mariage dans 6 mois. Il ne nous reste que 4 mois et je suis sans nouvelles de lui. Ma copine, ça va aller. Mais je reste persuadée que le mieux serait d'évacuer cette grossesse. Non, je dis non! Très bien, Lucie. Toi seule sais ce qui est bien pour toi, donc la dernière décision te revient. Allô? Bonsoir, mon amour. Bonsoir, mon cœur. Comment tu vas? Bien. J'étais même avec ta femme ce matin. Elle était dans mon lieu de service. Je t'ai déjà dit qu'elle n'est pas ma femme. C'est toi que j'aime. Et comment tu vas faire de la dot que tu as versée pour elle? C'est un petit problème, ils peuvent rester avec. En plus, elle est enceinte de toi. Elle est enceinte? Oui, c'est ce qu'elle m'a confié ce matin. Seigneur Jésus. Mais c'est ta copine, non? Comment c'est là d'évacuer cette grossesse? Il faudra le lui dire toi-même. Je lui ai conseillé cela aujourd'hui. Et elle m'a dit que pour rien au monde, elle ne va évacuer cette grossesse. Et qu'elle est toujours amoureuse de toi. Mais moi pas. Dis-moi. Si elle a accouché, ça te dérangerait d'éduquer cet enfant? Non. Je n'aurai aucun problème avec ça. Mais il faut que tu l'appelles déjà pour que vous mettiez les choses au clair. Ok? Je vais le faire. D'accord? Je vais te laisser. Tu passes une bonne nuit. Toi aussi, mon cœur. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Bonjour ma fille. Tu as encore quel problème? Aladi. J'ai rencontré l'homme de mes rêves. Khan. Ça c'est très bien ma fille. Félicitations. Mais il y a un problème Aladi. Ah. Un problème. Cet homme est venu au pays pour ma copine. Et moi, je le veux. Kai! Ma fille, si je comprends très bien, tu le veux pour toi. Petit problème. Ne t'inquiète pas. Il est bizarre à toi. Ma fille. Arrache. Écoute-moi très bien. Tu vas arriver à la maison. Tu vas remplir de l'eau là-bas, dedans.
tous les autres, lorsqu'il sera mini, tu vas laver ton face en prononçant son nom cette fois. Et comme ça, tous les jours, pendant 7 jours. Je crois que tu comprends très bien. Oui, elle a dit. Après cela, il sera à moi. Ne t'inquiète pas. Arrache cette poudre. Écoutez bien. Après les 7 jours, les jours que tu es sûr de les rencontrer, après ton bain, tu mélanges cette poudre avec de l'huile rouge. Puis ouin ton face en prononçant son nom 7 fois. Et lorsque tu vas le voir, tu lui donnes 2 bis à la zone. Ma fille, son sort est déjà scellé. Cet homme sera à toi jusqu'à ta mort. Merci, Aladji. Vas-y. Tu me diras merci après. Bonsoir Lucie, bonsoir Jenny. Bonsoir Serge. Assois mon bout. Wow! T'as vu Dose? Avec quoi ma chérie? Tu ne vois pas la grosse voiture dans laquelle tu roules. Merci. Dis, que fais-tu maintenant Serge? Ah, le Seigneur m'a béni. Je travaille pour l'ambassade du Cameroun de France. Donc tu vis maintenant en France? Non, pas encore. Pour le moment, je travaille ici. Mais d'ici peu, je vais m'installer en France. Wow! Félicitations. Merci. Déjà avec quelqu'un? Non, pas encore. Depuis notre séparation, je n'ai pas encore trouvé une délicieuse amoureuse comme toi, Lucie. Arrête ça. C'est vrai. Espérant qu'un jour tu vas changer d'avis et me revenir, je continue d'attendre. As-tu oublié que je suis fiancée à quelqu'un d'autre? Non. Je n'ai pas oublié. Mais moi, je t'aime toujours. Et je suis même prêt à rembourser cette maudite dot pour que tu me reviennes. Tu es fou. Pensez-y. Je vous laisse. Ça a été un plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé. Bye, Denis. Thank you.
Allô? Salut, c'est Louis à l'appareil. Oh, mes chéris, tu vas bien? Ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'appelle, ça ne passe pas. Tu ne réponds même pas au mail. Oh chérie, j'étais trop inquiète. Tu vas bien? Je suis là. Oh chérie, si tu pouvais savoir comment je suis contente de t'entendre. Ça va, ça va. Bon, si je t'ai appelé, c'est pour te dire que le projet de mariage entre toi et moi n'est plus possible. Pardon? Mais de quoi est-ce que tu parles? Hein? Après 7 mois d'absence, tu m'appelles pour me dire que tu ne veux plus le mariage? Non. Tu blagues, j'espère. Non, je ne blague pas. Je suis sérieux. Comprends-moi, Lucie. Nous nous sommes lancés dans cette relation sans apprendre à nous connaître. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas de l'amour. Je suis désolé. Et l'enfant que je pose en moi, qu'est-ce que j'en fais? Mais quel enfant? Je suis enceinte de toi, Loïc. Et qu'est-ce qui prouve que cet enfant est de moi? En tout cas, je suis venu au pays pour qu'on en parle. Tu viens quand? Si possible, dans 2 mois. D'accord. Viens vite, il faut qu'on discute. Ce n'est pas bien. Je suis finie. Je suis morte. Loïc m'a appelé aujourd'hui. Pardon? 7 mois après un long silence, c'est pour me dire qu'il ne veut plus de moi. Tu te rends compte? Les hommes. Je le sais. Et je t'avais prévenu. Je t'ai demandé d'interrompre cette grossesse de lui, mais tu as refusé. Comment tu vas faire maintenant? Je sais pas, Judy. Cet enfant est de lui. Il m'a dit qu'il vient dans 2 mois pour qu'on en parle. Qu'il vient dans 2 mois? Dans
de moi. C'est ce qu'il t'a dit? De moi. Les hommes. Allô? Bonsoir Loïc. Bonsoir mon amour. Comment tu vas? Je ne vais pas bien. Donne-moi une minute, je me déplace. Il y a trop de bruit ici, d'accord? Je suis à toi chérie. Il y a quoi mon amour? Pourquoi tu as dit à Lucie que tu arriverais au pays dans 2 mois? Alors qu'on s'est dit qu'on se marierait en cachette à ton arrivée et repartir. Chérie, je voulais juste profiter de ce moment pour mettre les choses au clair avec elle. Mais si tu ne veux pas, je laisse tomber. Je ne veux pas. Ok, ok. J'ai compris. À partir de maintenant, donc, tu dois l'éviter. D'accord? D'accord, chérie. D'accord? S'il te plaît, bébé. Allez! D'accord, chérie. D'accord, mon cœur. Je t'aime, tu sais. Dis-moi, tes papiers de voyage sont à quel niveau déjà? Ça avance, mon cœur. J'ai rendez-vous à l'ambassade la semaine prochaine. Ça marche. Parce qu'il faut que tout soit prêt avant mon arrivée. T'inquiète. Ça va aller, bébé. T'inquiète. Passe une bonne soirée, mon cœur. J'ai hâte de te revoir. À moi aussi, chérie, tu me manques. Bye. Bonjour Lucie. Bonjour Serge. Ça fait un bail. Je suis là. Comment tu vas alors? Tu es perdu? Je vais bien. Tu sais, je ne suis plus au pays depuis près de 4 mois comme je t'en avais parlé. N'est-ce pas? Oui. Je suis juste venu pour mon mariage et je retourne samedi. Ah bon? Oui, oui. Je te présente ma femme, chérie. Oui, chérie. Je te présente Lucie, mon premier amour dont je t'avais raconté l'histoire. Oh, enchantée, madame. Enchantée, moi aussi. Mes félicitations. Merci. Vous êtes très belle avec vos grossesses. Nous sommes venus faire quelques courses. Dis, tu es restée fidèle à ce magasin? Oui, j'ai fini, je rentre. Ok. Passe à une bonne journée. Prends soin de toi. Merci. Vous également. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais rencontrer Jenny. Jenny? Ouais, la propriétaire. Ah, je suis désolée madame. Elle n'est plus ici. Elle a cédé cet endroit à quelqu'un d'autre. Depuis quand? Ça fait un bon bout.
Ok, merci madame. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, Jenny n'est pas là. Jenny? Mais ça fait quelques semaines qu'elle a déménagé. Déménagé? Quand? Ok, merci madame. De rien. Excusez-nous pour le retard, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Donc, nous n'allons pas tarder à commencer, mais nous attendons d'abord certains invités qui doivent arriver. Et je vous prie de garder votre mal en patience, ça va commencer tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure. Oui, allô? Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Mirabelle. C'est comment? Ah, je vais bien. Tu es de quel côté? De quel côté comment? Je suis à la maison. Pourquoi? Un ami m'a amené à une cérémonie de dot. J'arrive et je constate que c'est la dot de ta copine, Jenny. Je croyais que tu étais là, mais je ne te vois pas. Jenny? Marie-Angie, ça fait plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu. Je l'appelle, ça ne passe pas. Je ne sais pourquoi. Il y a un problème. Ah, ça va alors. C'est tout ce que je voulais savoir. J'ai cru que tu étais là. Bye. Bye. Amusez-vous bien. Jenny, c'est ta dot aujourd'hui et tu ne me dis pas. Y a-t-il un problème? Voilà celui qui dote sa femme. Qui, celui-là? Lui, paraît qu'il vit à l'étranger. Ce visage m'est familier, mais je ne sais où. Chérie? Bien. Je te présente mon fiancé. Chérie, elle c'est ma copine Mirabelle. Enchantée, madame. Moi, c'est Loïc. Allô? Allô? Oui, allô, Mirabelle. C'est quoi encore? Tu as un problème?
Je dormais déjà. Vu ma copine, doit avoir un problème. J'ai vu le monsieur qui est venu t'ôter, Jenny. On dirait que c'est ton fiancé. Sauf si c'est une pure ressemblance. Monsieur, viens toi-même certifier. Peut-être la raison pour laquelle elle ne t'a rien dit. Ça se passe où? À la résidence La Corniche à Boulogne-Saint-Denis. Lucie, dépêche-toi, je t'appelle. T'aime sincèrement. Et lui, il ne sait rien de son amour pour toi. Moi aussi, je t'aime. Mais c'est trop tard. Oui, oui. Je te présente ma femme, chérie. Oui, chérie. Je te présente Lucie, mon premier amour dont je t'avais raconté l'histoire. Oh, enchantée, madame.
Bien. Monsieur Loïc Paul Tejo, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Jenny Suitou, ici présente, pour le meilleur et pour le pire? L'aimer, la chérir, la protéger, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Mademoiselle Jenny Suitou, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Loïc Paul Tejo, ici présent, pour le meilleur et pour le pire? Le chérir, l'aimer, le protéger, dans la maladie comme dans la santé, dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Cameroun, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Fais gentiment ce que je te dis. Tu vas suivre cette caisse. Ok? Il est à moi. Génial. Pardon, ne me fais pas du mal. Qu'est-ce que vous nous voulez? Dites-le-moi, je vous donne. Qu'est-ce qu'on te veut? Tu vas bientôt le savoir. T'as longtemps papillonné et t'as décidé enfin de t'atterrir chez elle. Pas mal. Elle n'est pas mal comme gonzesse. Je dirais même que t'as du goût. Mais dommage pour toi. Parce que tu ne t'es pas atterri au bon endroit. J'ai donc une surprise pour toi. Thank you.
Salut les maris. Jenny, tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça? Je suis pardon, ne nous fais pas de mal, je t'en prie. Ferme ta sale gueule pétasse. Que je ne fasse pas quoi? Que je ne vous fasse pas du mal? Comme toi, tu m'as tellement fait du bien en voulant t'enfuir avec mon mec. Lucie, s'il te plaît, ne nous fais pas du mal. Regarde comment tu es pitoyable. Toi, ma meilleure amie, chez qui je venais pleurer tous les jours et tu faisais semblant de me consoler. Pourtant, c'est toi! C'est toi, ma confidente, qui se cachait derrière tout cela. Je ne sais pas ce qui m'a pris, Lucie. La femme! Ou toi! Pécile. Salope. Mon amour. Ferme ta gueule. Ferme-la rapidement. Qui est ton amour? Pourquoi ne me tue pas? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Pense à notre bébé. Quoi? Notre bébé? Mais attends, quel bébé? Tu le reconnais maintenant? Hein? Oh, bravo. Bravo. T'as réussi à te taper deux bonnes amies. Non, mais à quoi est-ce que vous pensez, vous, les hommes? Hein? Que vous allez vous changer les femmes comme les chemises, on vous regarde, hein? C'est ça? Non. Mais sache que cette fois, c'était ton dernier coup. Ok, ok. Pour l'amour de ton bébé, pardon, ne me fais pas tuer. Ne me tue pas, s'il te plaît. Pardonne-moi, mon bébé. Je suis désolée. Mais ton papa, c'est un sale chien qui ne mérite pas de vivre. Ah oui? Et pour t'empêcher de ne plus refaire ce que tu m'as fait subir à une autre, tu dois mourir. Oh! Lâche-moi! Aide-moi.